tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une salade de farfel au poulet. Alors, pour cette recette, ici, j'ai 3 cuillères à soupe de mayonnaise et j'ai ajouté une cuillère à soupe de moutarde et j'ai mélangé les deux. Ici, j'ai 400 g de farfel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 tomates coupées en morceaux. Là, vous avez 400 g d'escalope de poulet. Une petite boîte de maïs que j'ai égoutté passée sous l'eau. Et puis, il me faudra du sel et du poivre. Et bien, on va démarrer la recette en se positionnant en mode manuel et en mode doré. On va mettre l'huile d'olive dans la cuve. Allez, mon préchauffage est terminé. Je vais pouvoir faire cuire, dorer mes morceaux de poulet. Je vais maintenant déposer au bout de 2 minutes mes farfels dans la cuve. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Pour la quantité, je dirais peu importe pour la quantité, puisqu'on va égoutter quand la cuisson sera terminée notre cuve. Par contre, il faut que les pâtes soient recouvertes. Voilà, mes pâtes sont recouvertes. Je vais mettre un petit coup de sel. Et je vais pouvoir programmer une cuisson. Je vais arrêter la fonction dorée, je vais passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide, et là je vais programmer le temps indiqué sur le paquet de pâtes. Et bien je vais diviser par deux, là c'est des pâtes 10 minutes, et bien je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. La cuisson est terminée, on ouvre notre cookéo. Je prends ma cuve, je la sors du cookéo et je vais égoutter les farfels et le poulet. Ça y est, j'ai égoutté mon poulet et mes farfels. Je les ai passés à l'eau froide pour les refroidir, bien sûr. Là, je vais mettre dans le saladier, je vais ajouter mes tomates. Je vais ajouter mon maïs. Pour l'instant, je ne mélange pas. Je vais aller placer mon saladier ainsi que la sauce mayonnaise moutarde au frigo pendant au moins 2 heures. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite et la fin de la recette. Je viens de sortir la salade du frigo, j'y ai rajouté ma préparation mayonnaise moutarde, j'ai mélangé, j'ai mis un petit peu de persil déshydraté pour la déco. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Bonjour tout le monde, pour aujourd'hui je vous propose une salade de pommes de terre haricots verts avec un oignon rouge. Alors pour cette recette ici, j'ai 500 ml d'eau, là j'ai 600 g de pommes de terre, vous les épluchez, vous les passez sous l'eau et vous les coupez en morceaux. Là j'ai préparé une vinaigrette avec un oignon rouge coupé en morceaux, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre et une cuillère à café de moutarde et j'ai mélangé tout ça. Ici, j'ai 200 g de haricots verts congelés. Vous pouvez en mettre plus au niveau des haricots et des pommes de terre, c'est sans problème. Et puis, du sel et du poivre. Et bien, c'est parti pour notre recette. Je dépose dans la cuve du cookéo et bien, mes haricots verts, mes pommes de terre. Je vais verser l'eau. Je vais mettre un petit peu de sel.
Pour le poivre, ben, je rectifierai l'assaisonnement, pardon, l'assaisonnement au moment de déguster. Et bien maintenant, on va programmer notre cuisson. On va se mettre en position manuelle, en cuisson sous pression ou cuisson rapide. Je vais programmer 7 minutes, je fais OK avec un départ immédiat. Je ferme mon couvercle. La cuisson est terminée, je vais goûter ma cuve. Donc j'ai goûté ma cuve, j'ai passé mes haricots et mes pommes de terre sous l'eau froide. J'ai mis ça dans un saladier et maintenant je vais aller placer mon saladier au frigo pour au moins 2 bonnes heures. J'ai sorti mon saladier du frigo, je vais ajouter maintenant ma sauce vinaigrette avec mon oignon que j'ai coupé en morceaux. Et je vais mélanger. Une fois que vous avez bien mélangé, vous pouvez consommer cela. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo.